Haïti, terre bénie, habitation, grand esprit, empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand, Christophe, Boisrontonnet, Capois la mort. Sans cette nuit, mouri qui t'es fierté pour nous. Yo bay soyo, sans yo, pour construire une nation pour nous. Yo mouri qui t'es terre, richesse, drapeau, constitution, langue, religion, pour nous pas de jambes déviées. Ni déroute, nan ke drapeau nous, yé tout zam indépendance nan. Pour nous pas jamblier, l'union fait la force, c'est devise toute patriote. Comme nous te dit, dans nos rangs, point de traite, pays a perdu toute salle de posséder comme valet. Qui est-ce parmi nous qui trahit rêves ancêtres nous? Qui est-ce qui nègre dans mental yo ses colons? Dis-moi, les connaît qui est qui trahit testament grand papa nous empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand t'es mouri quitté pour nous. Mambo, mambo, mambo. Combien pour la liberté? Pour ne pas oublier ça, c'est qu'on guerrier de la liberté. Oh, freedom fighters! Moïse, Bouddha, Jésus, Mohamed, Kaonabo, Tekumse, Mouvement, Dessalines, Charles Ferrand, Castro, Che Guevara, Martin Luther King, Malcolm X, Superman de ma porte, Chabia, freedom fighters! You pays pour décoller la tanto, politiciens mettent tout pays à sous l'eau. Tout le monde tombe dans la logique en macro. Dans le monde qui nous gagne misère à gogo. Profitez à qui profite à propos. Yo monte pri a fye gran pou eto. Ou vini blok, ou vini blok, ou vini blok, ou pati blok, vini blok, ou vini blok, kata blok, pata blok. 2003 fè de sens en la tanto. 1830 kale kolon chambo. 1903 nou deja en bakwo. Jodi a se men pepe pago. Sous comprendre pas c'est ça mon cher. Yeah.
son toit, ni te battre la mais Napoléon, c'est mafia qui a dirigé. Auditeurs, auditrices, porte-voix d'Haïti, Radio Passion Culturelle. Moi salue nous toutes à la ronde badée. C'est Marie Saint-Hilaire qui dit bougeons pour Haïti, qui la caille nous jeudi, qui vendredi 12 février 2021. Jeudi, nous gagnons deux invités. Invitez-nous, M. Patrick Pierre-Louis. Nous gagnons l'autre invité, nous, c'est Madame Dorsil, Tamar. Alors, comme moi dis, non, son citoyen engagé, qui pourrait parler, il n'est pas tellement long, mais ça le pourrait dire, sous jeune, alors, allez, chaise, bah, nous, pour nous tendre, Madame Tamar Dorsil, citoyenne engagée. Nous gagnons correspondance, non? Qui pralé ban nous yon résumé semaine là comme nous connaît que semaine qui s'est passé là tellement te gen affaire la donne alors prend ti chaise ban nous pour nous aller tenter ça t'est passé toute semaine là correspondance nous n'a jwenn chaque semaine c'est Junior Luc cap là avec nous chaque semaine. Alors, qui pral faire un résumé et pour nous tout ça qui passé, sous toute bagaille net. Nous pral tande là. Alors, compatriotes yo, à vivre en situation vraiment dure, on nous capable dire c'est en sorte de honte pour nous, bah yo red, bagaille compliqué. Et ben, moi pas tellement parler jodi an mais comme nous pas wèm jodi an là mais comme nous connaît que gande le c'est pas toujours et facile mais moi là quand même depuis nous t'en les voir c'est que moi là Monopoly, 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 Monopoly,
Qui pralait ban nous yon résumé semaine nan. C'est Junior Luc qui pral fait yon résumé et pour nous tout ça qui passé sous toute bagaille net. Nous pral tande là. Alors prend ti chaise ba nous pour nous aller tande ça qui t'est passé toute semaine nan. Sous toute bagaille net. Nous pral tande là. Bonjour, bonsoir à tous les internautes, les fans de l'émission Porte-Voix d'Haïti. Je suis Junior Luc, journaliste et correspondant depuis Haïti de la radio Passion Culturelle, spécialement de l'émission Porte-Voix d'Haïti. Pour Haïti, au début de cette semaine, il y a eu deux grandes activités en Haïti. Disons deux faits qui occupaient les sommets de l'actualité. D'abord, la réalisation du carnaval de Jacmel qui allait prendre fin le dimanche 7 février 2021 et ce même dimanche, si l'on se réfère à l'interprétation empruntée à l'article 134-D de la Constitution, cette date a marqué l'échéance constitutionnelle du mandat. Ensuite, des revendications pour le respect strict des prérogatives de la Constitution. Pour le carnaval à Jacmel, c'est le président lui-même qui allait lancer les activités à Jacmel pour clôturer les ambiances pour le carnaval de ce dimanche 7 février même. À l'aéroport de Toussaint-Louverture, au grand étonnement de tout le monde, le président a déclaré que la police a déjoué une tentative de coup d'État et de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Environ 23 personnes ont été appréhendées à cet effet, dont un juge de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, et une inspectrice de la police nationale. Faut que moi profite et souligner, c'est une déclaration avec un comportement qui était très controversé par rapport avec Jean-Luc fait tant sur le fond que sur la forme, puisque c'est un dormi et la police a pris mon yo, la caillou, non espace que l'État réservé pour yon qui les petits bois qui dans la zone tabac. T'es gagné pile parler sur ça. Il y a un monde qui même questionné est-ce que t'es gagné tentative de coup d'État. Effectivement, est-ce qu'il y a un complot contre la sûreté de l'État? Parce qu'il n'y a pas de monde dans la réunion et puis arrestation a été faite en plein minute. Nous t'es qu'à dire en créole. Arrestation a fait dans zone 2h du matin comme ça. Donc, lundi, juste là, il y a le DCPJ avec le juge Ivikel d'Abrésil pour répondre à une question la justice, question police judiciaire. Mardi, il a transféré dans la prison civile quoi des bouquets et puis mercredi, gagnant doyenne tribunal première instance là by ordonnance pour libérer juge Ivikel d'Abrésil. Il faut aussi préciser que à un moment de la durée, le juge Ivikel d'Abrésil, disons le citoyen Ivikel d'Abrésil ne détient aucun statut juridique. L'on ne sait pas est-ce qu'on doit parler de homme libre
pour Ivikel da Brésil ou encore inculpé, puisque après avoir été transféré à la prison civile de la Croix des Bouquets le mardi 9 février, la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, à savoir Maître Grecia Norceius, siégeant dans le cadre d'un jugement extraordinaire, a décidé de libérer le mercredi 10 février le juge da Brésil suite à une requête en habeas corpus introduite par les avocats des accusés. Pourtant, le garde de la République, à savoir Maître Bockfeller Vincent, a intimé l'ordre aux agents pénitentiaires de garder à la prison civile de Croix des Bouquets le juge Ivikel da Brésil. Suite à cette ordonnance de la doyenne, le greffier Christophe L'Espérance a été mis en disponibilité sans solde par le numéro 1 du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, à savoir Maître Rockefeller Vincent. Après mes tentatives et grâce aux efforts d'une batterie d'avocats, le juge Petit Blanc a enfin ordonné la libération du juge Ivikel da Brésil dans la nuit du 11 février 2021. Avant de finir, Madame Saint-Hilaire, qui t'aime annoncer mon yo, plusieurs membres dans l'opposition, qui depuis quelque temps regroupés sous nom opposition plurielle, programmé en marche en blanc dimanche 14 février dans l'idée pour dire non à la dictature. C'est là nous sommes finis pour jeudi vendredi qui c'est 12 février 2021. On a dit tout le monde merci parce que vous avez pris le temps puis vous avez tendu nous. Merci à toi aussi, Madame Saint-Hilaire. On se prend de vous pour vendredi prochain. Bye bye tout le monde et restez à l'écoute. Invitez-nous, comme on t'a déjà dit, nous, Monsieur Patrick Perlui, 12 février 2021, à l'échelle de Banon. Eh bien, m'appelez-nous avec Monsieur Patrick qui pourrait faire t'y causer avec nous. Alors, Patrick, est-ce que vous êtes capable de présenter ou la caillou parce que vous avez déjà passé dans l'émission Pas de Voix d'Haïti? Alors, présentez-vous. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend côté que vous écoutez nous, auditeurs, auditrices de Radio Passion Culturelle, qui trouvent école dans la Cour Paris. Nous voulons saluer PDG Radio A, qui c'est Lydia. Nous voulons saluer technicien nous, et qui c'est Wilson. Et nous voulons aussi saluer grandette Madame Sarah qui dans l'émission Sarah, qui relaie la voix de la diaspora, voix diaspora, et qui c'est Madame Marie Saint-Hilaire, qui gagne. C'est comme Marie qui est en France, mais en réalité, et tête Marie c'est en Haïti que lié, qui a réfléchi pour le pays, et qui cherchait une façon pour le mettre. Diaspora en connexion avec Haïti et pour mettre aussi Haïti à travers inviter quelqu'un dans l'émission Lyo en connexion avec Diaspora dans belle émission ça. Encore une fois, moi salue Marie et moi remercie du fait que ou ba nous opportunité pour nous passer dans l'émission Voix Diaspora ça pour nous capable faire intervention par nous sous dossier et conjoncture pays d'Haïti, comment bagay a évolué. Nous saluons encore une fois et puis nous voulons présenter tête nous et nous-mêmes nous c'est Patrick Pierre-Louis, nous faisons Miragouane, nous quittons Haïti en 89, nous d'abord passé dans la cour la Guyane, côté que et nous fait quasiment études nous en Guyane. Après ça, nous venons en France métropolitaine pour nous être capables de terminer l'étude. Et
nous travaillons normalement, nous travaillons dans une grande boîte ici en France qui est la Poste, la Banque Postale. Normalement, nous-mêmes, nous gérons tout ce qui concerne l'aspect technique. Et nous avons pas mal actuellement des chantiers, notamment avec la région Île-de-France, notamment dans gérer et ordinateurs portables, tablettes pour les étudiants, les lycéens de l'Île-de-France. Nous avons eh bien, en charge de réaliser travaux sérieux pour la région Île-de-France. Donc, nous sommes monde qui commençait réfléchir sous question politique en Haïti depuis que tu as eu un tremblement de terre qui est arrivé en Haïti à 12 janvier 2010. Nous connaissons que tremblement de terre ça te fait plus de 300 000 victimes. Le monde entier était touché par catastrophe ça qui était faite en Haïti. Et nous pensons que le pays était déjà à genoux. C'est un coup en plus que nous devons recevoir les que le tremblement de terre ça a passé en Haïti. En pile monde perdit la vie, non seulement la vie, mais en pile monde retrouvé aussi à la rue. C'est donc suite à tremblement de terre ça que nous commençons à interpeller, comme nous connaissons que dans la Bible, il y a une parole qui dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que ça soit l'Éternel qui en soit l'auteur. » Et donc, nous te commençons à poser nos questions. Qui ça, bon Dieu, voulait dire nous par rapport à la catastrophe ça qu'il fait arriver dans une nation tant que Haïti qui était déjà eh ben, à genoux. Eh bien, ça te permet de nous faire pas mal de recherches sur l'histoire réelle d'Haïti. Josia, nous pensons que nous sommes un jeune qui travaille dans un cadre qui n'est pas vraiment connu, qui n'est pas vraiment populaire. Mais nous pensons que, avec le temps, avec les médias, notamment avec Radio Passion Culturelle, qui de temps en temps a banni la possibilité pour nous exprimer, nous, parce que c'est une radio réellement qu'a cherché pour le mettre en avant, eh bien, communauté haïtienne de France là, et aussi, moun qui vivent en Haïti, moun qui ont des choses à proposer à la nation, nous croyons que PDG Radio Passion Culturelle, lui fait ça de telle sorte pour que, eh bien, moun qui ont des choses à proposer, yo, pour yo capable passer, et nous-mêmes personnellement, nous avons réfléchi pour PIA depuis un certain temps. Et donc, c'est pour ça que nous connaissons que ça que nous gagnons dans ma coûte, nous, pour nous apporter comme projet, comme idée, comme programme, comme vision, eh bien, pour le pays d'Haïti, nous pensons que Radio Passion Culturelle a ben, nous, toujours possibilité pour nous capables de relayer. Et d'ailleurs, émission ça, qui c'est émission Pot de Voix d'Haïti, eh bien, nous capables de dire, c'est une émission que nous habitués suivre, bien sûr. Et que nous voyons déjà animatrice là, qui c'est Madame Marie Saint-Hilaire, eh bien, l'y animer de même pensée avec PDGA. Et nous connaissons que nous gagnons Wilson, qui a fait aussi un travail de technique, qui pour permettre que Radio ça arrive le plus loin possible. Donc, nous saluons encore une fois tout auditeur auditrice. C'est pour ça que présentation nous le droit long. En tout cas, nous sommes jeunes qui remet Haïti. Et nous capables de dire depuis près de 5 ans là, nous ne pouvons jamais réveiller un jour dans la vie nous sans que premier pensée nous, non, nous sommes capables de dire deuxième pensée nous pour ne pas aller en direction de Haïti. Premier pensée nous, c'est toujours à Dieu qu'il allait parce que à partir du moment où nous réveillons, nous commençons par remercier bon Dieu pour grâce lui qui lui fait nous vivre. Et nous connaissons un peu le monde qui perdit la vie, mais nous-mêmes, les nous camper. Les nap vivent toujours, nap respirent toujours, c'est que peut-être mission nous pour qu'on finit sous terre ça. Donc, premier pensée nous, c'est toujours en direction de Dieu. Et deuxième pensée nous, personnellement, mais c'est toujours en direction de Haïti. Qui ça que nous capables de faire? Qui ça nous capables de dire? Dans qui dialogue que nous capables de participer? Ou nous t'es capables d'aider? Eh bien, yon haïtien qui bon côté nous,
pour le capable réfléchir bagaille différemment. Parce que nous connaissons que dans le problème que Haïti a traversé Jodia dans la conjoncture ça, et d'ailleurs, on a profité pour tout bailler idée nous, pour nous tout exposer dans l'émission Porte-Voix d'Haïti, on a profité pour nous exposer vision nous par rapport à ce qui a passé en Haïti depuis avant 7 février 2021. Nous gagnons 7 février 2021 qui finit passer. Donc, c'est un honneur pour nous, Jodia, pour nous passer dans l'émission ça. Mais nous connaissons que Haïti a subi une période trouble dans l'histoire. Et nous pensons que ça qu'a fait, il n'y a pas fait pour grand Messie. Li bon pour nous, chaque nous prend temps pour nous comprendre pour qui ça n'a traversé un moment difficile ça. Nous connaissons que en pile manifestation en Haïti, te gen en pile crasé brisé, te gen en pile meurtre, kidnapping qui t'a fait durant les mois de décembre, janvier et au début de mars, février. Nous pensons que gen une accélération de l'insécurité en Haïti et te gen pas mal de monde aussi qui te prend la parole, notamment par rapport à mandat président Jovenel Moïse qui était supposé fini 7 février 2021. Et nous apprenons aussi qu'il y a pas mal de bagailles qui a dit sur Internet en rapport avec coup d'État qui, soi-disant, est préparé pour renverser le président Jovenel Moïse. Nous n'avons pas qu'un élément réel qui est capable de faire nous comprendre que c'était vrai ni c'est pas vrai. Nous-mêmes, nous pas même vle intervenu dans ce sens ça comme si pour n'a commenter Jean Bagayo a fait en Haïti parce que nous croyons que vu que système judiciaire pays a li pas fiable et li pas à la hauteur parce que jodi a nous connaît que système judiciaire là li politisé nous connaît aussi système judiciaire là li gen en pile corruption nous connaît que ça qu'a fait en Haïti yo pas gain vraiment une possibilité pour connaître la vérité avec un grand V. Donc nous préférons pas intervenir là-dessus. Mais question que nous capable poser tête nous c'est que 7 février 2021 passé maintenant nous capable dire entre 7 février 2021 et 7 février 2022 est-ce que gain un bagage qui a changé dans vie peuple haïtien. Donc, nous devons poser des questions comme ça. Et nous sommes capables de répondre, nous sommes capables de dire non, pas de rien qui a changé dans le quotidien vie peuple haïtien. Souffrance là, l'époque a fini dans vie peuple ça. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est toujours les gens qui nous parlent dormir, ce n'est pas les dormir en danger ou pour ranger qu'à nous. Nous sommes capables de considérer que ça soit dans l'opposition qui l'a capgoumé depuis 4 ans, mais qui pas jamais réellement bail un projet, une vision, un programme de travail pour apporter un changement en Haïti, que ça soit l'opposition façon que l'a agi avec raison, hein? Parce que faut nous capables aussi discerner et opposition haïtienne. C'est normal, oui, pour gagner des manifestations populaires dans une nation côté que pas gagner la manjaille, pas gagner la sécurité. Pas gagner système scolaire, pas gagner système de soins. Yon misère qui a augmenté de jour en jour. Yon jeune qui a levé, qui pa wè avenir, qui pa wè comment li pral s'en sortir au jour le jour. Nous apprendre que des moun qui organise yo pour yo toujours aller kay moun. Yo konnen chodye ap descendre.
sous difféa parce que eh ben c'est comme ça que yo capable récupérer peut-être yon plat manger gon misère terrible gon souffrance terrible donc l'étape inconcevable pour nous t'a dit que peuple ça pas doué descendre dans la rue pas doué revendiquer pas doué faire manifestation l'étape inconcevable donc peuple là a une raison pour descendre dans la rue pour demander changement mais nous capable aussi faire discernement entre moun qui pas présenté revendication peuple là bien et nous pas dit ça comme si pour nous oublier moun qui dans pouvoir ou non nous penser que par rapport à façon que bagay yo est en Haïti et puis par rapport à profondeur problème nan depuis qu'il est problème nan commencé en Haïti responsable politique que nous gagne jodi yo en la personne moi-même moi remen l'homme non la personne du président Jovenel Moïse qui vini qui commence yon mandat côté que déjà l'elle devine en France le 13 décembre 2017 il était fait une déclaration fracassant il était dit il a forcé le nommer 50 juges corrompus dans le système judiciaire haïtien. Ça c'est ton première grande déclaration que président Jovenel Moïse t'a fait et nous penser que l'Italie aussi aux États-Unis mais pas qu'on est dans qui pays exactement côté que dans un discours il était dit pays a 5 problèmes corruption 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 et corruption. Donc nous pensons que un président comme ça qui rivait fait un état des lieux de la présence de la corruption dans le pays a l'état supposé gagner un programme pour au moins baisser influence corruption dans le pays a. Mais nous pas ouais que président li mette en route programme ça. Bien sûr, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. OK, nous clairement nous comprendre que chez l'homme Jovenel Moïse, chez le président de la République d'Haïti, nous pas pour dit que nous senti gagnon volonté de faire. Yeah, that's what it is. Don't get it twisted, nigga. Masters represent forever. That's what it is. Big Trey, BOP, Don Camlo. Woo. Yeah, let's go. Yo, fait, menti, semblé ak vérité, goûte goût de l'eau. Yo, met famille, zami ak zami, dosado. Côté j'aime, viré l'horloge, ça sorti. Li saute dans fond, guerre en pile, gros pays. Frère, sème, si nous voulons quem, quem, moun qui est tout pouvoir na prière. Li pa chita dans l'église là, dans temple n'a adoré Jésus crucifié. C'est business diable. Si c'est pour miracle, n'a pas gardé. Diable, c'est petit bon Dieu. Tout le monde gagne pour garder. C'est pas tout le monde qui gagne. Ouais, non, mi temps diable, n'a pas marché. Moi, mais c'est l'éternel, non, vie, moi. Il sait tout penser, mais lui, c'est guide, moi. L'organe, mon pied, c'est bien, on fait tête tout. Mais les gars, on dit, c'est ton fait tête tout. Personne, pas cap, gérer personne. Moun l'esprit, pas les bons paroles. Nexo, pas les causes crémoles. Dis très dur, dis Nexo, moi qui ai un projet. Rentrer dans l'enfer, Alphonse, Lucifer. C'est lui clôté, trahison sous la terre. Sous la croix, Jésus pour chaille, péché nous. Chaille la chaque jour, vive pilou. Bon Dieu, chrétien, yo, c'est commencement, c'est la fin. Bon Dieu, vrai nèg, yo, sans bout. Il pas de commencement, pas de fin. Lui, c'est l'infini. La vie à vie. Pour nous, après, l'homme mort, gagnons l'autre vie. Nous, on est clair, grand maître. One piece linear. Yeah, God, give us the light. Let us see clear. Let us see. Give us the light. That's right. I know. Give us the light. Pray. Help us, God. Help us. Give us the light. Light, light. That's right. Maintenant, est-ce que selon la façon que président a réagi jodi a, programme qu'il voulait mettre en avant jodi a, ça que li voulait faire comme priorité
jodi a nan kad peyi d'Ayiti, desisyon ki la pran yo, eske yo logik an fonksyon de fason ke li menm li te fè analize problèm peyi a. Nou kapab pose tèt nou kesyon sa. Nou menm du kote de Paris, nou konnen ke la, aktuellement la, nou santi ke notamman le prezidan mande pou ke genyen yon nouvel konstitusyon nan peyi a, li nome yon komisyon indépendant, paske se li menm ki di komisyon indépendant, pou travay sou nouvel konstitusyon sa, e d'ayor nou menm nou te gen posibilite pou nou rekupere yon ekzampler de proje ki soti a travèr travo komisyon sa, komisyon konsultatif pou la l'élaboration de la nouvel konstitusyon. Nou rive genyen yon ekzampler nan go de dokumen sa. E d'ayon ap atire atansyon auditeur, auditris de Radio Passion Kulturel yo ke nou genyen jusqu'au 22 fevriye pou nou selon sa ki make sou proje konstitusyon pou nou bay avi nou sou dokumen sa. Nou menm personnellement, nou kontan bay avi nou, men na profite pou nou di osi ke fason ke prezident Jovenel Moïse vle fè bagay yo, se pa merite Haiti, pa merite yon nouvel konstitusyon, non? Se pa sa nou di. Haiti merite yon nouvel konstitusyon parce ke konstitusyon ki te fèt an 87 la, li pat fèt avèk yon konsensus nasyonal. Men, jodi a, an 2021, nou vle fè ankor yon nouvel konstitusyon. Men, eske nouvel konstitusyon sa ke nap fè a la, li fèt vreman avèk yon konsensus nasyonal? Nou panse ke konsensus nasyonal la li pa egziste. Se d'ayor pou sa ke prezident, alor ke an pil moun ap di ke konstitusyon aktuel la pa permèt nou fè referandom nan peyi a, se pou sa ke prezident, d'ayor a travèr komisyon sa, li di fòk se pa yon referandom pou yo valide proje konstitusyon ke ya fè a. Donk, nou santi bien ke prezident konè trè bien ke li pa genyen le pouvoir nesesèr pou l bay peyi a yon konstitusyon a li menm tout sèl. E nou kwe ke prezident li konprann problèm nan, deja, mètnan m panse ke genyen yon mank de kouraj ou bien gen de chòz ki diskute an koulis ki fè ke, eh ben, prezident, mèm s'il konè ke se yon mouvez chòz ki la fè la aktuellement an direksyon de Haiti, li vle persevere kan mèm dan la mouvez direksyon. C'est-à-dire mettre en place une nouvelle constitution alors qu'il n'y a pas de consensus national. L'important, oui, le WAP fait un travail comme ça pour avenir toute une nation, pour construire toute une nation. L'important pour chercher consensus national là. L'important même pour mettre peut-être mandat en jeu pour capable de joindre consensus national là. Parce que nous-mêmes, par rapport à la proposition que nous avons faite du côté de Paris, et d'ailleurs, ça va le permettre nous, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la méthode qui est utilisée qui pour faire une nouvelle constitution, nous ne sommes pas d'accord non plus avec l'élection que le président Jovenel Moïse lui fait en 2021. Maintenant, elle nous dit ça, qui ça que nous voulons dire par là? Nous pensons que si président Jovenel Moïse fait élection, élection ça, il pourra le contester dans le futur. Nouveau candidat ça, Jean le président Jovenel Moïse, des premiers mois que le tab dirigé, nous avons amis nous, Moïse Jean-Charles, qui a commencé à faire manifestation, et qui fait que jusqu'à nos jours, il y a une manifestation qui a fait en Haïti. Et donc, pendant 4 ans déjà, nous pas fait yon paquita yon panago. Eh bien, nouveau président qui pourra le remplacer président Jovenel Moïse là, vu que c'est yon KEP qui pas réellement légitime qui pourra le mettre nouveau président ça au pouvoir, m'a ba nous garanti que, eh bien, opposition, hein, la campé red pour le passer 5 ans pour le gâcher
mandat nouveau président ça. Ça, nous met noté. Maintenant, comment nous capables éviter perdre encore une fois 5 ans? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Comment nous capables éviter perdre 5 ans? Parce que à la fois constitution, l'on fait fin faire une nouvelle constitution et puis installer un nouveau président. Alors que normalement l'on fait une constitution, il y a des séries de bagailles qui supposaient changer dans le pays. À partir de constitution, ça a que vous fait. Si constitution, c'est pas un document philosophique qui est lié, si c'est un document qui doit traduire une réalité dans le peuple, dans la vie peuple haïtienne, non? Donc, on s'est lié de bagailles pour mettre sous pied. Par exemple, premier article constitutionnel, il dit Haïti est une république souveraine. Non. Est-ce que Haïti actuellement c'est une république souveraine? Donc, si on le dit dans la nouvelle constitution, il faut que nous mettions des programmes sous pied pour rendre Haïti une république réellement souveraine. Parce que je dis à là, nous connaissons que Haïti n'est pas une république souveraine, puisque Haïti a vécu sous l'ordre américain. Haïti a vécu sous l'ordre OEA. Haïti a vécu sous l'ordre des institutions onisiennes qui existaient en Haïti. Nous connaissons parfaitement bien que Haïti, actuellement là, 2021, côté que nous parlons là, Haïti n'est pas une république souveraine. Son exemple que nous baillons par rapport à la nouvelle constitution, ça, et bien sûr, nouveau président qui pourrait arriver à la nouvelle constitution, le président qui est installé par un KEP non reconnu, non légitime, et en plus de ça, il aura une nouvelle constitution à faire vivre, parce qu'on a une nouvelle constitution, il faut faire vivre, il faut faire respecter la constitution, donc il faut mettre des mécanismes sur pied pour que tout le monde puisse respecter la constitution. Donc, nous, dans qui ça que nous lançons, nous là, c'est dans un bagage qui est terrible. Donc, nous-mêmes, nous analysons comme ça parce que nous pensons que il y a une méthode que nous devons supposer employer pour nous retirer à Haïti dans sa lière. C'est pour ça que du côté de Paris, nous-mêmes, nous avons parlé de conférence nationale souveraine. Et ça fait longtemps que nous avons parlé de conférence nationale souveraine. D'ailleurs, première émission réelle que nous passons, côté nous parler de conférence nationale souveraine en Haïti, c'est sur Radio Passion Culturelle, dans une émission qui était faite avec Wilson, avec Maggie. Et avec Zamino, nous t'ai parlé justement sur lancement mouvement conférence nationale souveraine. Ça, c'était autour du mois de mai. Là, nous t'ai fini écrit président Jovenel Moïse pour nous dire que s'il voulait résoudre la crise en Haïti, c'est une conférence nationale souveraine pour le faire. Donc, nous pensons que aujourd'hui, Haïti, on pourra faire de grandes choses. On pourra faire une nouvelle constitution. On pourra faire des élections. On pourra même faire une transition, une vraie transition. Mais tout cela, on doit le faire dans le cadre d'une conférence nationale souveraine. Donc, si nous faisons un cadre de conférence nationale souveraine, automatiquement, puisque c'est conférence nationale souveraine, nous avons gagné un consensus national. Parce que logiquement, quand on est en conférence nationale souveraine, eh bien, les politiciens de tous bords sont présents. Il y a présent, il y a là aussi, dans le déroulement de la conférence là, il y a présent en tant que conférencier, il y a bien des représentants, quel que soit parti politique qui existait en Haïti. D'ailleurs, il y a 251 partis politiques en Haïti. Donc, ça veut dire que nous déjà gagnons, au minimum, si chaque parti politique voyait un seul représentant, nous déjà gagnons 251 monde qui pourraient penser ensemble autour de une vraie assemblée pour qu'ils fassent un travail de fond dans le pays. Nous pensons que c'est ça que Haïti méritait. Nous avons possibilité pour nous dire ça dans l'émission Porte-Voix d'Haïti. Nous pensons que c'est une émission qui a privé très loin. Et nous espérons que auditeurs, auditrices qui ont écouté nous, eh bien, ils ont bien compris ça que nous disons. Nous pas contre opposition qui a demandé transition. Parce que dans le programme Conférence nationale souveraine, nous-mêmes avons proposé un 23e point
parce que son programme qui gagne 24 points, eh bien, 23e point, hein, c'est lui-même que nous-mêmes nous relais transition. Parce que avant de faire des élections dans le pays, il y a 23 points dans le programme que nous-mêmes avons proposé, hein, qui doit être fait. Avant que nous créions une nouvelle constitution, nous avons trois premiers points qui doivent être faits. Constitution haïtienne, nan, que tout le monde aujourd'hui a une opinion, il doit être fait dans un cadre de conférence nationale souveraine. Et nous-mêmes, projet de conférence nationale souveraine, nous proposons, c'est point numéro 4 là. Pourquoi? Parce que avant de faire cette constitution, qui doit être la carte d'identité de la nation, il faut faire en premier lieu une série de travaux, que ce soit au niveau national et aussi au niveau international, pour reprendre la souveraineté nationale. Parce que effectivement, premier article-là, logiquement, il doit exposer sur la souveraineté nationale. Mais avant d'exposer cet article, pour que l'article soit capable de vrai, il y a un travail de fond, un travail de terrain qui peut faire. Parce que il y a des vieux contrats que ancien président nous yo signé sous dos Haïti. Mais si nous pas prenons temps pour nous retirer, pour nous rompre vieux contrat ça yo qui signé sous dos Haïti, c'est un exemple que m'a bail le nous mettez dans la constitution noire. Donc c'est comme si bagay sa yo nous pas prenons yo en considération. Donc ça veut dire que peuple a toujours enchaîné, peuple a toujours dans une chaîne qui pas visible, mais c'est ça que en pile monde appelé la main de l'international qui sous Haïti. Donc nous pensons que l'île est le temps pour nous atteindre une maturité politique, pour nous accepter Chita ensemble. Et c'est dans Chita ensemble ça que nous avons une possibilité pour nous redéfinir une nouvelle façon pour nous fonctionner avec l'international. Et aussi, nous avons un vrai travail d'éducation civique et citoyenne que nous devons faire dans la population haïtienne nan, pour que les nous baillons une nouvelle constitution pour être capable de comprendre droit et devoir dans la nouvelle constitution ça. Et ça c'est un travail qui doit faire un travail de terrain. Nous voulons saluer tout auditeur auditrice de émission Porte-Voix d'Haïti. Nous saluons madame Saint-Hilaire, nous saluons PDG Lydia de la radio Passion Culturelle et nous saluons technicien nous aussi qui c'est Wilson. A ciao, à la prochaine. Yon kolon lâche, kalan la fac, yon pa kèta pâche. Didi ap bonjou la manje ou, pas didi ap bonjou la manje ou. Godem, chana ma bit, j'ai fait ap kade ouest. Et puis pour payer en US, pendant 7 ans, peuple a pas kap manje. Yon bon du agresse, jeunesse, fuck nous. Crié, relé, nous pa ki nou ape parler. Lang nous, c'est celles âmes, nous procéder pour nous défendre, nous pays nous. Andi yo bay, son kabay, pa promet, son pa bay. Nan ki glan moun sa yo ye, nan ki kampoun kampé. Nous fin pa découvrir, c'est affaire pa yo yap.
régler. C'est pas tant d'âge qu'à tape à l'batte. Dans la fac, y'a un diplomate. Nous trois petits pour nous comprendre ce qu'a fait là. Je n'ai pas éclairé assez pour nous voir ce qu'a passé là. Tout ça qu'a ouais, y'a fout tout, tout million. Tout ça qu'a goumé, y'a fout tout dans prison. Je dis à pas trop petit pour y'a femme si ce pan existe. Prenez y'a qu'a dit. Si mon homme ça, l'anglais trois poulets, parler trois proposer. Qui t'aime le mieux, n'est-ce pas tué. Ça va garder mieux, n'est-ce pas éliminé. Ou capturer, quoi, mon pape capturer, non, non. Ma pépé pas sous ça, parce que m'gué c'est néa. Y'a une chance, m'a demandé. Y'a une chance, s'il vous plaît. Bam, y'a une chance. Si nous voulons. Madame Dorsil Tamar, qui est vraiment une dame et qui a fait un pile bagaille, Haïti, une citoyenne engagée. Alors, m'appelez sinon avec Madame Dorsil Tamar, qui pourrait faire t'y causer avec nous. Alors, Tamar, est-ce que vous êtes capable de présenter ou la caillou dans l'émission Pot de Voix d'Haïti? Alors, présentez-vous. Nous disons bonjour, auditeurs, auditrices, Madame Antoine, PDG, et Madame Saint-Hilaire. Passion culturelle, nous rentrons la caillou pour nous venir parler des jeunesse haïtiens qui lagent aux abois, qui n'ont pas personne monde qui pour encadrer. Bon, et non pas avant tout, c'est Dorsil Tamar, et nous avons une organisation qui relaie. OFVP, organisation, c'est organisation femmes vaillantes. Mais nous venons faire une plateforme. En la plateforme, ça a plusieurs organisations là-dedans. Nous venons juger que les nous avons une mission en Haïti. Nous venons voir plusieurs personnes qui sont dans le département et dans la commune, dans la section communale, qui toujours disent nous avons fini l'école, mais nous avons aimé à l'étudier. Mais yo pa jwenn yon université l'état qui encadre yo, yo pa jwenn aucun support gouvernement et puis kounya la yo vinn tomber aux abras, yo vinn lagé des mains pandje, yo pa gen personne moun ki pou aider yo à continuer étude yo. Et les nous vinn juger nous-mêmes nan NBLA, nous vinn wè jeunesse nan vinn tomber nan délinquance, yo vinn pas insécurité. Nous contacter plusieurs instances privées ou l'état yo qui pouvin permettre nous capable joindre une solution avec jeunesse là. Mais nous mandé la France, États-Unis, tant d'autres autres pays qui capable aider nous jodiant pour nous capable ouais dans qui mesure nous capable aider jeunes sa yo capable joindre un petit pain de l'instruction pour capable continuer université yo. Et puis demain si Dieu veut en retour, yo capable vin aider instance sa yo qui t'a aidé nous yo joindre aide pour nous t'es capable aider yo. Nous même dans NBLA, nous senti ces entrailles nous cap racher. Les nous un jeune yo lagué comme ça. Yo pas joindre travail. Yo pas bailler au travail. Yo a mandé yo expérience. Yo pas gon université là au sorti dans collège là qui pour tant yo pour yo capable continuer étude yo. Yo pa gen personne. Et gon ti proverbe créole qui dit ti moun jodi grand moun demain. Eh bien, nous pour aller nous-mêmes. Nous gen en pile moun qui fait ça déjà. Nous gen madame Bozil, nous gen Messe Maniga, nous gen tant d'autres l'autre moun qui a toujours cherché bourse pour ti moun yo. Mais ça vient vraiment pour population que nous-mêmes nous vinn cibler, nous vinn wè comme si li vinn pas représenter rien. Et ça fait nous-mêmes nous faire plateforme ça pour nous être capable joindre un fond juste pour nous capable aider les jeunes ça yo. Et nous-mêmes dans NBLA nous gagne pour nous visiter yo chaque 3 mois pour nous voir qui problème yo qui gens yo a déroulé dans étude côté nous pral voyer dans université ça.
et nous remercier émission Passion Culturelle et tout le monde qui a tendé nous yo partout et ailleurs. Nous remercier yo, nous connaissons pour aller prendre décision ça pour yo capable aider jeunes ça yo, pour yo capable rentrer, pour yo pas tomber dans kidnapping, pour yo capable venir construire pays nous et yo capable venir bailler un grand support en retour pour pays nous d'Haïti. Se je n'en qui m'a raison pour you. Bagade son yo tant pis souple. Foga se je n'en fin bagaye ni nou. Nous n'a se clé la boua. Franchement, nous dit tout le monde, un grand merci qui t'est participé dans l'émission Porte Voix d'Haïti. Un grand merci à Patrick Pierre-Louis, qui toujours la Kaili. Nous dit un grand merci avec Madame Tama, femme Potomitan. Alors, moi salue nous tous à la Ronde Badet. Alors, comme nous connaissons, à chaque fois, ils sont toujours à mettre un petit musique pour nous. Et puis, Lydia. Alors, moi dis nous Kébered, nous connaissons que maladie hein, est toujours dehors, la ferrage. Nous t'arrêtons mais aller la caille nous pas qu'à aller et puis nous connaissons qu'on paquet de sacs malhonnête qu'a fait un pays. Un petit dernier mot toujours, comme moi toujours dit, et jeune mieux quand même pas tuer, non pas mettre monde sous terre parce que m'a pensé que a bon jugement mais l'est pas bon comme m'a toujours dit nous au saisi nous non tuer non pas de tuer mon non la vie est dure nous connaît mais nous ca parler nous ca chanter dit ça nous penser mandé micro y a tendez nous mais tuer non n'a fait tout pour nous haïr nous et c'est parce que nous grand goût petit on pas qu'à l'école la vie chère nous malade non pas qu'à docteur. Nous pas qu'à joindre soin, nous pas qu'à aller voir un spécialiste si que nous malades, même de l'eau nous pas gagner pour nous boire. On nous entend nous. Aimez-vous les uns les autres. Entendre pour nous entendre nous. C'est frère nous y, c'est sœur nous y. Nous connaît la vie en pas facile, mais tu y es non. Eh ben, moi et nous toutes. Moi salue Madame Lydia Antoine Wilson qui non cuisine non, cap mariné viande non. Eh ben moi dis non gros coup de chapeau. Parce que 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, n'a préparé, n'a fait montage. Lydia chapeau, Wilson chapeau. C'est que fon capable dit moun kap travail là, fon capable dit oui, moun sa travail parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est parce que tout moun ki nan bay journal sa yo la radio pas gain cob c'est dépenser tout mon a dépensé tout monde qui gain média en France yo non pas gain cob seulement n'a travail pour pays nous et ben tout monde k
kap travay nan media yo. Parce que si me cite youn, peut-être m'gen pas cite l'autre. Sa kem di tout moun ki nan media yo, yon gwo kout chapeau pou nou. A la ronde bade, c'est pas facile. Faut la donne pou ka wè ki travay ki gen derrière. Moi salut nou tout. À la ronde bade, c'était Marie Saint-Hilaire qui dit bougeons pour Haïti, animatrice, porte-voix d'Haïti. Mon salut. Chante pour yo et pour nous. Ou la la à la de traka pour yo petit peuple noir. C'est voyo ouais, ouais, y a vif, mais yo pas compte pour qui y a vif. Mais bien yo pas coupé, mon yacht yo pas cassé. Mais oui, mais non, mais yo pas jamais y a du pion tonton. Y'a ça qui essaye de sauver, pour ouais, c'est vieux, t'as changé. Y'a ça qui quoi qu'un dé, en pile, non yo ou vine en fond en mer. Y'a ça qui vivait, qui dit, béni soit l'éternel. Quitte ta mise à ça, quitte ta langue à ça. Dis non, non, ça pas bon. Yo a ici de bon temps pour être la caille, pour les vivre, j'en dois vivre. C'est pas faute moi, c'est pas faute tout, c'est faute yo, yo, t'es noir fait, à vous goûter. Ça nous pas nous contre c'est yo, ils nous ont appris à mentir, à dénoncer, à trahir, à désigner, à nous désolidariser, à nous mettre à genoux, à nous couvrir, à nous avilir, à tout accepter sans le moindre refus. Ils nous ont appris à ne plus avoir confiance en nous-mêmes, à faire semblant que tout va bien alors que nos corps ne peuvent plus tenir nos têtes. Allons frette pour nous, chasse sa droite pour nous, même j'ai à tout beau pays, nous voulons Haïti million, nous voulons demain million, nous voulons un changement total pour tout frère nous yo, yeah yeah. Pour toutes ces nous yo, un changement total pour Haïti, c'est ça m'a demandé tous les jours. Jodi à la pairie, tout petit vent y'a l'yobi pour fin mourir. Intellectuel, nek, sa vè, nek, soit disant, dit yo, c'est nek l'esprit. L'argent folie, millionnaire, vin fè yo sort, passe pas y'en passi. Dans le bébé pacifique, ou y'a capable de money. Y'obi l'on fait complot, watch yo bon pays, pour fin du série, chasse Haïti. Si peuple a fin de pairie, lis sans amis, lis sans famille. Malgré pas j'aime si span boost, la vie. N'en mandé, n'en prié, à genouille, pour y'a capable de yon qui choy. Dirigeant yo personnel, peuple avec belle boy. Quelle volonté bon défaite, si fan yo continue toujours à disparaître. Après tout ça qui t'est déjà éliminé par paquet. C'est pour absent qui la cause, son frère, yo coulé pour mon plaisir, pour jouer. Tu vas la chasse, à faire la chasse au nec. Tout ça c'est pour faire plaisir, font point chaud. Yo arrangé yo, côté gros blanc yo. Y'a cherché relation, y'a créé division. Si peuple a dit assez, demande pardon. Yeah. Noir, comme tous les races jaunes ou blancs qui n'aiment pas perdre leur temps. Les Américains disent ta mise money, c'est juste pour construire, juste pour bâtir, pour le développement, le progrès et l'avenir de leur pays. Tandis que les Haïtiens disent coucou, je les rébouche. Égoïste ou assise, c'est de la merde, plus de temps à perdre. Nourriture importée, vêtements importés. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour tous ceux qui vivent dans la misère? Je ne pas faire le même pas, point pas. Ouais, t'es corps, pays nous pin fucked up. Nous voulons suspendre vivre selon la parole. Langue douce, passe si vous me se vol. Fais parler de vous, fais parler de vous. Même nous, une chance pour nous progresser. Même nous une chance pour nous avancer. C'est ça nous toujours à demander yo. C'est ça nous toujours à prier yo. Y'a gagné les bonnes fines prières. Oh mon Dieu, dis-tu ça fait la paix. Changement.